Bonjour, je m'appelle Nada Jmanissier, je suis la nouvelle chef de la section consulaire de l'ambassade de France à Varsovie. J'ai commencé ma carrière au ministère en 2015 et j'ai commencé à Nantes, au service central d'état civil, et je travaillais au bureau des affaires juridiques. Puis je suis partie en 2019 à New York où je travaillais comme chef du service social au consulat général de France. Et me voici maintenant à Varsovie depuis le mois de septembre à la section consulaire de l'ambassade. Je suis donc arrivée à l'ambassade de France à Varsovie en septembre en tant que consul, où je suis la première femme depuis 20 ans à occuper ces fonctions. Depuis mon arrivée à Varsovie, j'ai eu à cœur d'essayer d'améliorer la qualité du service et la proximité du consulat avec les ressortissants français qui résident en Pologne ou qui sont de passage en Pologne et qui font appel à nos services. Nous avons notamment réaménagé l'accueil du public et désormais, vous n'êtes plus reçu au guichet, mais les Français sont reçus dans un bureau par un agent qui va s'occuper de leurs demandes de passeport, de carte d'identité, d'inscription au registre des Français de l'étranger. Et par ailleurs, nous avons réussi à avoir en permanence des rendez-vous passeport et carte d'identité. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre un délai important pour prendre rendez-vous. L'ambassade de France est située à Varsovie, mais je suis bien consciente que tous les Français résidant en Pologne ne résident pas tous à Varsovie. Et donc, nous déplaçons en région, le consulat se déplace en région pour aller au plus près des citoyens et prendre des demandes, là encore, de passeport, de carte d'identité, mais ça peut être aussi d'autres démarches. Donc, nous sommes déjà allés à Gdansk au mois d'octobre, à Cracovie et à Wrocław au mois de novembre. Et puis, nous continuerons comme ça en essayant, sur une base mensuelle, d'aller à la rencontre de la communauté française et de sillonner le pays pour permettre aux Français de faire leurs démarches administratives sans avoir à se déplacer à Varsovie.